Hey! Il était express ce hey, il est tout petit. Ça fait bizarre de faire un hey tout seul en vrai. Je vous pose un instant. Comme ça, je vous explique le problème. Vous êtes pas droit, c'est pas grave. Si, un petit peu, mais bon. Ouais, non, ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va construire des choses. Ça va être un vlog, ça va être fun. On sera pas tout seul. Il y a trois objectifs dans cette vidéo. C'est construire quelque chose, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Et faire deux dessins, parce qu'aujourd'hui c'est jour 3 Inktober. Et j'ai raté le dessin d'hier. C'est pour ça que j'ai besoin de la chose que je vais construire. Je vous explique. Si vous voulez, je dessine depuis trop longtemps sur une table à plat. Ça m'énerve, ça me fait mal au dos, j'en ai marre. Et j'arrête pas de voir des gens, des artistes que je suis ou ce genre de choses, et même des potes à moi, avoir une vraie table à dessin. J'en veux une, j'en veux une, c'est tout. Ok, donc, comme j'ai pas les fonds pour acheter une table à dessin, bah, je vais la construire. Vous savez, je suis pas mauvais. J'ai notamment construit ceci. C'est un bureau tout à fait honnête, j'ai envie de dire. Et donc, je vais faire la même chose, mais avec une table à dessin. Pour cette vidéo, du coup, je serai pas tout seul. J'aurai en ma compagnie un homme de bonne facture. S'il veut bien venir, peut-être. Allez, tu viens quand même, parce que tu vas pas... Viens, s'il te plaît. Alors, repars. Oh là, il était bizarre, lui. Le programme, ça va être de... Viens, on explique le programme. Allez, viens, un instant, pose-toi et on explique un peu ce qu'on compte faire. Tu viens vraiment de me dire, barre-toi. Ouais. Pour me dire de revenir. Allez, s'il te plaît. C'est pour la vidéo et tout. Panda, toi, Mick, tu es chiant. Oh la vache. Allez, va dans le studio, là. Vous le connaissez sûrement, c'est le monsieur Cobalt Go. Sa chaîne est dans la description et son Instagram pop là. Mais je sais pas si... là. Il veut... Vraiment là. Plus là, quand même. Ou peut-être oh putain, t'es chiant, allez. On continue parce que ça va, sinon ça va être. Hein? Oh. Et ça va pas là, tu. Oh. Donc, le programme, ça va être de recréer un truc à peu près comme ça, avec la même sorte de matériel, c'est-à-dire ce que je vais trouver. Comme ça, exactement. La seule différence, c'est que on n'a pas assez de matériel pour en reconstruire une nouvelle, de 1 et de 2. J'ai pas la place pour le poser en fait dans le studio. Donc, ce qu'on va faire, c'est un module qu'on va venir. Disposer, on dit disposer. Disposer. Merci mec. C'est long quand même. C'est chiant. Ce qu'on va faire du coup, vous l'aurez compris, c'est un module qu'on va faire à une sorte d'équerre en fait à 30 degrés. On a fait des plans. On a fait des. Non, on a gribouillé, Benjamin. On a gribouillé. Donc le plan, c'est ça. Bon, on dit qu'on fait ça, hein. Voilà. On dit que comme pour le bureau, ouais, on fera et freestyle. On verra. Ouais, clairement freestyle. On tient à préciser aussi, on n'a pas du tout de matériel de bricolage. Donc, ça va être à base de marteau, de clous. Et si je trouve une ficelle, peut-être que... Je crois que j'ai vu un trombone sur ton frigo, je suis pas sûr. On sait jamais. Est-ce que vous avez fait exprès que vous aviez la même couleur? Pas du tout. C'est flippant. C'est très drôle. Vous aurez compris c'est quoi le programme, enfin la moitié du programme d'aujourd'hui, parce que l'autre moitié, si j'ai le temps, ça va être de rattraper mon retard avec le Inktober, parce que c'est le deuxième jour et je suis déjà en retard en fait. C'est affolant, mais... C'est affolant. Allez, on va vous montrer le matériel qu'on pense utiliser. À tout de suite. Salut là. Oh, on applaudit le service s'il vous plaît. Vous êtes bête. Et chinois. Donc on présente le matériel. Déjà on a un cobalt là. On va l'utiliser pour... Bon, j'hésite, c'est peut-être pour utiliser comme marteau parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel. Je pense que ça peut... C'est du creux. Bon, c'est pas très important. On met ça de côté pour l'instant. On a du bois. Un petit lézard. Oh mais il est mignon. Regarde. Coucou lézard. Il est trop mignon. On va le relâcher quand même. La liberté. Faudrait t'as peut-être toi. L'aider un peu, non? Va-t'en. Tu veux que je t'aide? Va-t'en, Lisa. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il est parti. Comment? Je sais pas, je lui ai crié dessus, il est parti. Donc on a du bois et on a également un peu de bois. Bon, ouais, c'est un peu ghetto, mais ça va. C'est... L'autre côté, il est... Bon. Non, moche. Enfin, il est plus moche. À repeindre. Mais au moins, il n'y a pas de... Ouais. Ouais. On a également du coup des clous, ça va être utile pour clouer. Ça c'est pour l'hydratation. C'est important l'hydratation. Un marteau. On a également du coup pour les découpes une scie de type égoïne. Et on a des vis parce que... Attendez, je vais chercher ça. Parce qu'on a une visseuse. Mais Elle avait si peu d'énergie mec. Vraiment. Elle a vraiment fait. Mon oreille.
Désolé, mais moi ça m'a fait un peu mal. Bon, ben, on commence. C'est ça qui est drôle. Alors, ça va être genre ce qu'on va utiliser pour la table. Parce que bah, pour dessiner, il faut une table. Du coup, cette planche là, elle va être utile pour faire la table. Le seul problème qu'on a, c'est que ici, il y a un truc dégueulasse là. On en a pas besoin. Du coup, on va couper tout ça. Tiens, ça pourquoi je fais ça? Parce que sinon, t'as mal au dos quand tu dessines. Ouais, c'est vrai, je fais ça parce que j'ai mal au dos sinon. Donc, j'ai coupé ça à la main. Tu peux venir peut-être m'aider à tenir la planche? Vraiment? Ouais. Non. Mec, à quoi tu sers si? Hey, c'est pas trop mal, hein, j'ai envie de dire, oh! Oh! Mon corps n'offre aucune résistance à celle-ci. La découpe, du coup, elle est pas nickel. Ça se voit, elle est un peu. Bon, il y a mieux. Mais pour quelqu'un qui utilisait cet outil-là, pas mal. Pour du fait main. Ouais. Je suis vraiment en train de me donner des excuses, les gars. Une table à dessin, c'est comment? En gros, c'est une table, mais elle n'est pas à 0 degré, elle est à 30 degrés, plus ou moins. Nous, on va le faire à 30 degrés parce que... pourquoi pas, en fait. Tout au plus 31. Tout au plus 31, en fait. Pourquoi pas, hein. Du coup, le délire, c'est que va falloir tenir cette planche à 30 degrés. Donc, la chose la plus simple à faire, c'est juste de poser un pied là, de manière à ce que la planche elle soit à 30 degrés. Et ensuite, on pose ça sur la table. Le seul problème que j'ai, c'est, je sais pas en fait si ça va être assez petit pour rentrer sur la table là-bas. Parce que en soi, ça déjà, c'est plus grand que le bureau qu'on a là-bas. Et ben, on prend, on va à l'intérieur et on vérifie. Je suis complètement d'accord. Ce qu'on va faire, c'est utiliser ça comme repère et ensuite on va juste interposer les deux, poser cette planche à 30 degrés et regarder si oui ou non c'est à la bonne taille. Si c'est à la bonne taille, c'est bien, on continue. Sinon, c'est chiant, enfin, va falloir découper la planche et tout, ça va être chiant, mec. Cette planche-là, sur cette longueur en fait. T'es encore à la limite comme ça, c'est chiant, mais ça va, comme ça, mec. Je répète, comme ça. Avec ça. Avec cette chose-là. À la main. Comme ça. À vous, t'es heureux. Non, mec, c'est chiant. Je vous ai montré ma passion. J'arrive. Je fais du bâton. C'est chouette d'avoir un caméraman, en vrai. C'est ouf, hein. Ça te dit d'être caméraman de la Panda Factory? Oh la vache. J'ai jamais vu un caméraman faire autant de bruit, mec. Généralement, un caméraman, c'est censé être silencieux. Toi, tu fais des bruits de bouche, tu fais des bruits de pas, tu fais des bruits de respiration. C'est horrible, mec. Mais arrête. J'ai un stylo. Il y a Dragonfly qui travaille. Donc. Oh, j'ai vraiment l'impression de pas du tout être organisé. Alors que c'est pas vraiment le cas, c'est juste que je commence à être un peu fatigué, tu vois. Du coup, je suis un peu n'importe quoi, mais... On dit que c'est pas grave. Bon, du coup, ça, on va devoir... en gros, ma technique, c'est je le pose là. Je fais une marque. Ça n'a pas du tout marqué, mais on voit le... Et du coup, maintenant que j'ai mon repère... Le marquage à main levée. C'est chouette, pas du tout. Et du coup, là, on peut repartir dehors, quoi. Je veux dire, maintenant, on peut... On y va sur le... Je sais pas si je veux te garder en caméraman, pour le coup. Du coup, maintenant que j'ai ma mesure ici, il faut que je regarde si quand cette planche, elle est disposée à 30 degrés, c'est-à-dire un peu en biais comme ça, est-ce qu'elle est plus ou moins grande que la table? Bon, hé, je sais pas si vous avez compris, mais vous en faites pas. Merci les motos, hein. Y a pas de souci. Merci beaucoup, pas de problème. Première chose, il commence à pleuvoir. Deuxième chose, voilà notre outil. C'est un niveau, pas du tout, c'est un smartphone. Mais ça fonctionne tout comme. L'objectif, ça va être de... On va s'amuser à soulever cette planche à 30 degrés. Et ça passe en vrai. Hein. Bon bah, on y va, on fait le... Ce qu'on a à faire maintenant, du coup, c'est utiliser genre ça comme pied. Donc ce qu'on va faire, le plus simple, c'est on va utiliser un comme ça de chaque côté. Maintenant, ce qu'on fait... C'est qu'on va couper ça, maintenant qu'on l'a marqué, il faut couper. Ça va être long, hein. Je vous préviens. Hein. Mais bon. On va partir sur un time-lapse. Mec, il pleut. On vous a dit qu'on vivait dans une forêt équatoriale où il pleut souvent très beaucoup. Alors là, petit changement de programme du coup. Bah, il pleut. Du coup, ce qu'on fait, c'est on remballe tout ça et on va salir l'intérieur de la maison. Ça vous dit?
Moi pas trop, parce qu'après je vais devoir nettoyer. Mais voilà, on n'a pas vraiment le choix quoi. Non, je filme. Du coup on est à l'intérieur parce qu'il a commencé à pleuvoir et en fait je pense qu'il va pleuvoir plus. Il nous reste une pâte à couper. Ah, et la première pâte... C'est pas dans ce sens là. La première pâte, on a un peu pas suivi la ligne qu'on avait tracée. Du coup, va falloir limer. Bon bah c'est parti là. T'as fait deux fois la même erreur alors que la deuxième fois t'as essayé de la corriger. T'imagines si tu l'avais pas corrigé, t'imagines. Bah faut limer du coup, ouais. C'est parti. Attends. Ça marche de ouf. Bon. Du coup, on fait le deuxième et on vous reprend juste après. Bon, après toutes les péripéties qu'on vient de passer. Je veux dire, après le ponçage sur du parpaing, la table qui rentre pas dessus, la pluie... Ouais, tout ça. Et ben, on a un résultat satisfaisant moins. Si je devrais donner une note, ce serait ça. C'est, moi, je donnerais un A sur jaune. On vous montre le résultat, c'est pas, sûrement pas le résultat final. On va poncer un peu la table avec du papier ponce. Après, ça sera déjà mieux que quand t'as rien. Du coup, pendant que Dragonfly joue à Roblox... Elle travaille. J'ai fini mon travail. Ah d'accord, ok. Elle travaille. Le résultat, bon, voilà quoi. C'est pas fou, mais c'est fonctionnel. Et l'avantage, c'est que quoi? On a le droit de... On n'est pas monétisé encore. Non. Ok. Ça va, c'est pas... C'est de la violence. Mais ça va. Faut pas être violent. Non, faut pas ça être violent. Ça va avec lui. Oh la vache. C'est fonctionnel et l'avantage en vrai c'est que ben, du coup je peux vraiment le prendre et le déplacer à volonté. Il est léger et je peux le porter partout en fait. Et j'ai un vrai espace de travail. Juste là il est moche quoi. Première fois qu'il voit ma tête depuis le début, non? Ouais c'est vrai. J'espère que ce vlog est de qualité. N'hésitez pas si vous avez aimé de mettre un pouce bleu et de commenter banane en commentaire s'il vous plaît. Yay. Oui, parce que c'est bien les bananes. C'est dégueulasse. Il y en a une là. Ouais, mais là-bas. Ça c'est des peintures de couleurs. Moi j'aime pas les peintures de couleurs, je préfère le blanc. Il recommence pas à pleuvoir? C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ça vite. Eh, je veux peindre. Dragonfly peinture. Dragonfly qui va sûrement se foutre de la peinture sur la tronche. Ouais, mais bon, ça c'est un... Ouais, comme d'habitude. Je vous pose et timelapse. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? On a dormi. Cobalt est parti, on a dormi. Comme des bébés, genre vraiment. Ouais. En plus, il a commencé à pleuvoir de fou. Ouais. Donc, l'envie de dormir, elle était présente, quoi. C'est-à-dire là, il y a Cobalt qui est parti, il était 13h peut-être? Plus. 14h? Ouais. Ouais, il était vers 14h comme ça. Il est 18h, ça fait 4h qu'on dort. Mais tu m'étonnes que je me sente pas bien. Ça fait 4h. Parce que ce soir, on ne dort pas. On vous montre un peu ce que ça donne, parce que le résultat final est là. Va falloir encore peut-être qu'on repasse une couche de blanc. On repasse une couche de blanc, ouais. J'ai l'impression qu'il faudrait que je mette un rebord pour éviter que les feuilles glissent, parce que je vous montre. La table, elle fonctionne, sauf que... En soi, voilà, on a fini le projet d'aujourd'hui. Va manquer plus qu'à faire un dessin dessus, quoi, pour le baptiser, quoi. À repasser une couche, vraiment, de blanc, par contre. Oui, on était censé passer trois couches de couleurs de peinture, mais voilà, quoi, on s'est endormi, il a plu, donc la peinture ne devrait pas sécher de toute façon. Ouais, non, on ne peut pas faire la peinture à l'intérieur, clairement pas. Ça, on n'a pas de bâche, on n'a rien pour protéger le sol. Mais viens, attends, je le remontre un peu. Il faut qu'on passe sur ça. On sait pas ce que c'est. Alors, deux fois, on a peint par-dessus. Deux fois, ça réapparaît, en fait. C'est pas ouf, ça fait pas joli. On va repasser un coup, mais au moins, c'est un peu plus uniforme que quand on l'a vu la première fois. Ouais. On va vous laisser sur le speedrun de fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et dans tous les cas, voilà. C'est le truc le moins clair que j'ai dit de ma vie. Ouais, c'était Pandatomique. Cobalt qui malheureusement est déjà parti et Dragonfly et on se retrouve pour une prochaine vidéo. On l'a dit juste avant, on était censé terminer cette vidéo sur un speedrawing. Je devais rattraper mon retard pour le Inktober, mais j'avais ni l'énergie ni la motivation. J'ai préféré jouer à Overwatch, je vais pas vous mentir, c'était plus cool. On espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Out. Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos.
La prochaine c'est mercredi pro. Mercredi pro, hey, yeah. Je fais la musique de l'intro.